Bon, bonjour. Il est 11h56. On va ouvrir la séance extraordinaire tenue à huis clos en visioconférence le 14 mai 2021. Il est 11h56. Donc, je vais prendre les présences. Pierrette Charrette. Présente. Pierre Rubashkin. Présent. Benoît Thibault. Présent. Raphaël Ciariello. Présent. Christian Bellil, Présent. il y a moi, Céline Beauregard, Madame Brigitte Chagnon n'a pu participer à cette rencontre et pour nous animer, donner les informations, Madame Caroline Dupuis, notre directrice générale. Bonjour. Parfait. Donc, puis on va aller tout de suite à l'adoption de l'ordre du jour. Voyons, mon ordi ne veut pas descendre. OK. Donc, adoption de l'ordre du jour de la séance extraordinaire telle que présentée. Je vais la lire. Trois résolutions, constatation de la régularité de la séance et validation de l'avis de convocation de la séance extraordinaire du 14 mai 2021. Quatre résolutions, autorisation à maître Denis Dubé de soumettre un plaidoyer de culpabilité au nom de la municipalité concernant une plainte déposée par le directeur des poursuites criminelles et pénales en lien avec un constat d'infraction numéro 100-400-100-400-11-17-39-37-38 pour contravention à la loi sur le bâtiment, articles 48 et 197.1, prévoyant une amende de 32 260 $ plus des frais judiciaires. 5. Résolution. Embauche contractuelle de Mme Joanne Montpetit comme inspectrice en urbanisme et en environnement. 6. Levée de la séance. Donc, qui propose? Benoît. Oui. Vous, tout le monde est d'accord? Oui, c'est oui. Bon. Merci. Comme il nous manque une élue plutôt, on ne peut pas ajouter de points à l'ordre du jour. Donc, on commence par la première résolution. Point 3, constatation de la légalité de la séance et validation de l'avis de convocation de la séance extraordinaire du 14 mai 2021. Je confirme que tous les élus ont été convoqués là, dans les règles et que Mme Chagnon a avisé de son absence pour la séance aujourd'hui. Parfait, merci. Au point 4, Caroline. Est-ce qu'on peut adopter cette résolution-là? Oui, Christian. Oui, c'est une résolution. Désolée, merci. Oui. 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 Donc, c'est adopté à l'unanimité. Et présenté par Christian Bellil et adopté à l'unanimité. Au point 4. Donc, c'est une résolution, l'autorisation à maître Denis Dubé de soumettre un plaidoyer de culpabilité au nom de la municipalité concernant une plainte déposée par le directeur des poursuites criminelles et pénales en lien avec le constat d'infraction numéro 100-400-11-17-39-37-38 pour contravention à la loi sur le bâtiment, articles 48 et 197.1, prévoyant une amende de 32 267 $ plus les frais judiciaires. Considérant que la municipalité a reçu signification le ou vers le 20 juillet 2020 d'un constat d'infraction du directeur des poursuites criminelles et pénales, considérant que ce constat reproche à la municipalité d'avoir exercé les fonctions de constructeur propriétaire sans être titulaire d'une licence en vigueur à cette fin, considérant les conseils du procureur de la municipalité, considérant les risques et frais inhérents à une contestation. Il est proposé par Christian. Oui. 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 À l'unanimité. D'autoriser maître Denis Dubé de soumettre et déposer à la Cour un plaidoyer de culpabilité pour et au nom de la municipalité au constat d'infraction numéro 100-400-11-17-39-37-38 pour contravention à la loi sur le bâtiment, articles 48 et 197.1, et prévoyant une amende de 32 267 $ plus les frais judiciaires. On peut dire que cette résolution-là nous fait mal au cœur, là. Vraiment. Donc, au point 5, résolution embauche contractuelle de Mme Joëlle Montpetit comme inspectrice en urbanisme et en environnement.
Considérant que le service d'urbanisme et d'environnement de la municipalité reçoit un volume très élevé de demandes, et ce, depuis février 2021, considérant que Mme Andrianne McCarthy, inspectrice en urbanisme et en environnement embauchée contractuellement en février 2021, peut offrir seulement 16 heures par semaine, considérant que la municipalité a procédé à la publication d'une offre d'emploi pour un deuxième inspecteur en urbanisme et en environnement saisonnier, mais que les candidatures reçues ne correspondent pas aux besoins du poste, considérant que Mme Joëlle Monpetit a un bac en urbanisme et a déjà travaillé auprès de 4 municipalités de la région des Laurentides comme inspectrice en urbanisme. Il est proposé par... Je propose. M. Raphaël Cariello. Oui. Oui, d'accord. Oui. Noté à l'unanimité d'embaucher de façon contractuelle de Mme Joëlle Monpetit comme inspectrice en urbanisme et en environnement. Donc, on est rendu au point 6, levée de l'Assemblée. Qui la propose? Benoît. Oui. 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 OK. Donc, tout le monde est d'accord. Proposé par M. Benoît Thibault et adopté à l'unanimité. Donc, ceci ne fait à la séance extraordinaire. Vous pouvez indiquer l'heure? Me dire l'heure, Mme Bourragan? Midi 2. Merci beaucoup. Merci. Merci tout le monde. Merci.